Salut à tous, c'est Anonymat et donc on se retrouve pour la deuxième partie de la grosse mise à jour 1.4 sur la 1.4.3, vous pouvez le voir en bas. On va s'attaquer, on va dire tout ce que je n'ai pas dit sur la précédente vidéo. On va commencer donc depuis le commencement. Hop, voilà. On va refaire. Donc, j'ai fait une feuille hein, pour tout m'expliquer. Voilà, je peux en mettre point 3 si je veux. Et donc, on va aller donc avec le command block qu'on avait déjà vu. Donc, sur un village de PNJ pour voir les derniers. Enfin, vraiment tous les détails, on va faire. Donc, les derniers trucs qui ont changé un petit peu. Donc, par exemple, on va prendre. Alors, attendez, je vais juste mettre le son. Musique un petit peu sonore aussi. On va prendre une émeraude. Voilà. À trouver quelqu'un qui en a besoin d'une, et pas l'inverse. Voilà, donc par exemple lui il veut bien commercer avec moi, donc on va le faire hein. Hop, tac, il me donne du pain. Donc au passage, les textures de la nourriture a changé, il n'y a plus les bords noirs. Et normalement, il fait des petits trucs verts et coupure téléphone. Bougez pas. Petite coupure téléphone. J'ai foiré parce qu'il faut que je monte sur le dernier exemple. Donc on va prendre ça avec un peu de gravier. Hop, et reste la bonhomme. Hop, avec une petite mode, voilà, du silex. Donc normalement, voilà, donc les petits éclats verts avec les trucs roses, voilà, et à coupure. Après ces coupures momentanées là, vous voyez les particules vertes comme ça, et là quand on tape, bon, des espèces de nuages avec des éclairs, c'est-à-dire qu'il est moins content. Toujours avec les villageois. Une note un peu moins légère. Alors attendez. On va prendre une potion de faiblesse en splash. Voilà, faiblesse. On va voir si ça marche. Donc maintenant, si vous êtes en hardcore, je crois, vous pouvez en quelque sorte zombifier les villageois. Hein. Lui, il va y passer, non? Voilà, donc c'est devenu un villageois et normalement, si je fais bien mon affaire, je crois qu'avec les potions de faiblesse, on peut le remettre normal. Je sais plus lesquelles, je m'entends même plus parler. Non, normalement avec les potions de faiblesse, ça les rend comme il faut, il me semble. Ou une autre potion, je sais plus, mais une des potions. Donc voilà, ensuite, on va revenir au spawn. Hop. Voilà, clean up. D'ailleurs le spawn est multiple, j'ai l'impression, dans cette dernière mise à jour. C'est un peu n'importe quoi. Par rapport à la 1.4, enfin je veux dire par rapport à la 1.2, 1.4.2, pardon. La 1.4.3 amène juste les quelques bugs de physique, je crois, et une nouvelle chanson. Je sais pas si c'est un nouveau disque. Ouais, voilà, si c'est un nouveau disque, je crois. Alors, soit ils l'ont renommé. Ça nous fera de la musique, tiens. Et où le jukebox? Il doit être là-dedans. Ouais. J'ai jeté le CD là. Oh, le boulet. Le boulet. Hop, donc ça c'est wait. Je sais plus si elle existait, c'est pas grave. Je vais avoir un nouveau disque à voir si jamais. Alors, sur cette musique bizarre. Mais sympathique, qui fait un peu accueil. On va poursuivre. Apparemment, je reprendrai tout ça pour donner plus de détails, mais je crois que les mobs, les villageois, surtout les zombies pigmen, je crois seulement, peuvent passer le portail du Nether. J'ai pas exploré ce truc avant. Voilà, si vous voulez vous débarrasser. Voilà. C'est génial.
Et voilà, après, avec ce bordel. Oula, ça fait double spawn. Ah non, il a dû zombifier l'autre. Oula, c'est le gros bordel. Je sais pas s'ils savent passer dans l'autre sens. Mais c'est déjà sympa hein, pour faire des pièges, tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Donc les œufs, quand vous faites spawner avec des zombies, ça peut direct devenir des villageois. Alors attendez, hein, je me juste. Donc, possibilité de faire time save day au lieu de 0, hein, c'est pareil. Ensuite, au niveau des commandes, ça c'est un peu augmenté, donc amplifié. Donc, quelques nouvelles commandes. Hein. Bon, déjà, help pour savoir à peu près qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, je vous laisse regarder les commandes. Hein. Donc, ensuite, help 2. Voilà, hein, vous pouvez changer le spin, publish ce que vous faites. Tel, voilà, donc 3 sur 3. Et surtout, ce qui a été ajouté, c'est. Le slash game rule, donc game rule, donc les règles du jeu. Si mon jeu n'est pas buggé, si j'écris pas n'importe comment. Donc voilà, et vous voyez que il y a plusieurs, comment ça s'appelle, plusieurs règles, donc qui sont en anglais. Je vais essayer de vous les expliquer. Donc et ensuite, il faut mettre soit true, soit false, je crois. Pour mettre donc, truc. Donc la propagation du feu, do fire trick, soit on met true pour que ça se propage, soit false, donc je vais essayer, je vais vous montrer à peu près, hein. Donc do fire, je sais pas s'il y a besoin des majuscules, on va bien voir, hein. Et après soit true, voilà, ils avaient rêve. Ah ouais, donc non, faut faire les, ah non, c'est tick, pardon. Attendez, où est-ce que j'ai fait la faute? Ah, ok, alors, je crois que les majuscules sont pris en compte alors. Voilà, donc Remul has been updated, enfin, mise à jour, si vous voulez. Parce que c'est quand même FR, la chaîne, j'aimerais parler en français. Ou soit, si vous voulez l'enlever, tag. Donc c'est bien quand vous jouez sur des parties, enfin, même sur des serveurs en basique. Ensuite, on va essayer avec une autre règle. On voit qu'il y avait Doom Mob Loot, Doom Mob Spawning, Do Tile Drops, Keep Inventory, and Mob Briefing. Alors, ensuite, on va faire Keep Inventory. Donc, en fait, c'est la conservation de l'inventaire après la mort. Donc voilà, de défaut, il est full. Ensuite, je crois que Doom Mob Loot, ça doit être. Je crois que ça concerne les Creepers. Ou les Endermen, je sais plus trop. Do Tile Drops. Alors ça, c'est si vous voulez que quand on casse quelque chose, vous pouvez le récupérer le loot ou pas. Donc je crois que ça peut servir si jamais vous voulez pas que ça casse, enfin que les gens cassent votre map dans une map aventure. Donc on va essayer. Hein. Do Tiles. Oups, drop. Drops, trou, on va mettre, tac. Ok, j'ai fait une connerie. Qu'est-ce que j'ai écrit mal là, cette fois? Ok, il n'y a pas de S. Donc voilà. Donc par exemple, on va se mettre en game mode. Non, l'autre. On va casser ce bloc. Et ça n'a pas marché. Attendez, si. Non. Donc attendez, je me suis foiré. Faudra. Oh non, en fait, il faut mettre full. On va essayer. Voilà, ça donne aucun truc. Après, il y a peut-être moyen de choisir seulement les blocs que vous voulez. Ou si vous ne voulez pas surcharger votre truc en minant. Voilà. Donc, Keep Inventory, ça peut être sympa pour. Voilà. Ensuite, donc, vous pouvez changer la météo hein, avec slash weather. Donc, le temps en anglais. Hein. Attendez, je vais juste. Help 1, je vais voir s'il est affiché. Bon, enfin, si, j'ai dû le voir, mais je n'ai pas fait gaffe. Donc, weather, soit on met clear, rain ou thunder. Donc, clear, là, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein, clear. Hop, soit rain, donc la pluie. Soit thunder, et là, c'est les orages.
Hein, il n'y a pas de... Non. Donc voilà, hein, vous avez compris le principe. Thunder, c'est l'orage. Et si jamais, on revient à clear. Voilà. Donc sachant que toutes ces manips, là, vous pourrez les exécuter avec les commandes blocs. Et le bouton fut. Amélioration... Donc je crois que pour ceux qui bidouillent un peu les beaux fichiers, il y a un nouveau fichier village.dat dans les fichiers relatifs au monde. Voilà. Ensuite, donc le command block il pourra être activé avec la redstone. Ça on l'a déjà vu. Par exemple, ce bloc là. Donc on peut par exemple exécuter tout ce que je viens de faire. Hein. Ou même quand c'est pas bugué. Bon là j'ai mis un truc bizarre, mais vous mettez game mode. Odd 1 et tac. Alors, ah d'accord, must be an open player. Alors attendez, hop, anonymat. Oui, bien sûr, j'ai complètement foiré mon nom là. Mais mince, on peut pas faire ça. Bon, alors je sais plus comment ça se fait, mais alors, ou alors, soit il faut. Multijoueur, je sais plus, mais il faut être en hop. Je sais plus exactement pourquoi. Il y a un truc, peut-être si je joue le LAN créatif survie. Hop. Bon, en tout cas, si jamais on peut toujours faire ça, mais normalement il y a moyen. Hein. Je vais réessayer. Ça m'avait marqué en bas que c'était pas disponible, mais je vais essayer parce que il me semble que c'est possible. Hop. Ah. Oui, bien sûr, clique sur annuler. Bon, ça, vous connaissez ou vous ne connaissez pas si vous avez vu mes vidéos ou pas. En général, je fais toujours une connerie. Donc voilà. Game odd 1, ou soit bien. Mais oui, bien. Peut-être du bois avant de prendre un bouton. Là, je fais n'importe quoi. Hop, game mode 0. Et je me suis foiré. Donc là, on se met. Oh, d'accord, j'ai foiré, non? J'ai foiré. Bon, si vous savez le faire comme il faut, ça marche. Ça me saoule, mais normalement, si vous n'êtes pas aussi con de moi et que vous n'avez pas fait de conneries, vous pouvez le faire. Donc ensuite, je crois qu'on peut personnaliser donc avec les potions, du coup je sais plus, faire des assemblages. C'est assez compliqué, j'ai pas tout compris. Et une notion de NBT aussi. Donc de faire les trucs tout personnalisables. Hein. Les creepers peuvent avoir un temps de déclenchement et une force d'explosion personnalisée apparemment. Donc l'écran et les fonctions de début. Ah oui, je crois que c'est par rapport à la fluidité, donc ça a été un peu amélioré il me semble. Donc avec le F3, on n'est pas obligé d'afficher l'espèce de camembert qui est en bas. Mais je crois que pour le faire, il faut faire Shift F3. Voilà, Shift F3 et vous avez votre camembert. Puis vous faites plus F3, je crois. Ah voilà, et ça permet de. J'ai fait une connerie, non? Peut-être. Ah oui, ça change F3 plus F, apparemment, enfin chez moi en tout cas, ça change la fog. Donc voilà, hein, truc à savoir. Mais surtout que ça dit que les points cardinaux, donc south, west, north, east, enfin vous voyez, south, en haut à gauche. Ensuite, donc le nether se charge plus vite lorsqu'on passe à travers, on l'avait vu. Amélioration des systèmes de lumière pour corriger les blocs transparents, entre guillemets. Hein.
Les TP de la liste des serveurs peuvent être cachés, les IP, pardon. Donc ça, c'est quand on est dans le menu et qu'on fait, par exemple, mine à 5.133. Bon, ça, c'est mon IP, on s'en fout. On va cacher l'adresse avant de faire une vidéo et tac, il est caché, c'est génial. Donc je le laisse comme ça, hein. On va revenir sur la map. Hop. Donc amélioration, ouais. La propagation a été légèrement réduite. Ajout donc d'une option plein écran, hein, on l'a vu. Bon, moi je suis déjà en plein écran, donc voilà, on va éviter. Là, donc, je vous ferai une... Il y aura un petit bug juste avant là, mais c'est pas grave. Je vous montre donc ensuite, on va changer, on va sortir un peu. On va créer une nouvelle map, donc on va mettre ça en créatif, hein, on s'en fiche de ça. C'est pour le plat personnalisé, donc pour changer, voilà, on peut supprimer les couches, soit je dire, donc entre quelques trucs. Donc on va se mettre en Waterworld, hein, par exemple. Et donc je crois qu'on peut changer à peu près tout, mais il faut s'y connaître un petit peu. Voilà, donc par exemple, on va prendre ça. Ou alors je sais, on va prendre ça et on va marquer vous pouvez ajouter les trucs là. Donc non, là j'ai fait de la merde. Stronghold, je crois que ça s'écrit comme ça. Non, tout à l'heure c'est bien écrit, maintenant moi. Comment je l'écris? Ouais, attendez. Ah non, c'est dungeon en fait, tout simplement. Ah non, Stronghold. Ah non, si, je l'avais bien écrit en fait. C'est Stronghold, Gold, comme ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ça fait des pré-réglages et ensuite vous acceptez. Et normalement on pourra avoir un Stronghold sous l'eau si j'ai pas fait de bêtises. Hein. En attendant, donc vous avez vu à peu près tous les mods, je tourne la feuille. Alors, attendez, hein, je regarde un peu. Ah. Apparemment je suis dans la flotte, si je dis pas de bêtises. Vous avez vu qu'il y a plein de nouveaux sons aussi, hein, c'est déjà d'actualité en ancienne vidéo. Donc voilà, si vous voulez faire un niveau d'océan, hein. Par contre, je sais pas du tout où est le Stronghold. Ça c'est. Vous avez une mer toute tranquille. Ensuite, on quitte et on reprend. Donc aussi on peut faire un truc, c'est que donc en créant une nouvelle map. Alors attendez, je vais juste pas faire ça. Donc je crois qu'en faisant. Alors attendez. Hein. On ajoute un truc qui s'appelle pick block. Ah non, non, pardon. Un pick block c'est dans les inventaires, excusez-moi. Mais je crois qu'il y a moyen en fait de mettre des arbres et tout, des trucs comme ça. On va revenir sur cette map. Et on va mettre si on met, je crois, en créative, hein, il me semble. Si on met. Si on. Donc si on touche le sol avec une des touches. Ah non. Ou je sais plus quand. Avec votre touche pick block. Oui voilà. Et ben ça vous met dans la place d'inventaire que vous voulez. Alors attendez, je suis deux secondes. J'attends que la pluie passe, ça fait du bruit. Donc, les zombies, les squelettes et les zombies pigmen peuvent des fois apparaître avec de l'équipement. Hein. Donc vous aviez déjà vu que quand on leur donne des trucs,
Enfin, pas n'importe quoi, mais quand on leur donne des trucs, les ouïes, les prennent, hein. Je sais plus ce qu'ils prennent, mais ils prennent plein de conneries. On va refaire des tests, hein, donc je sais pas, l'autre fois, je crois qu'on peut leur donner que des items, en fait. Donc, par exemple, non, ou alors je sais plus. Un os, il prend. On va faire des tests, un peu. Non, il prend pas. Par contre, je sais qu'il prend les armes. Ah, attendez, mais non, il y a un problème, là. Normalement, il les prend. Pourquoi ne prend-il pas? C'est bizarre, ça. Alors, normalement, ils prennent les objets, je crois. Enfin, des fois, c'est bug. Peut-être en rechargeant la map? Non. En tout cas, vous pouvez. Ah oui, c'est bon, ça marche. Vous voyez qu'il a pris un œuf. Voilà. En tout cas, si vous voulez voir, il peut mettre aussi des citrouilles, je crois. Un peu n'importe quoi. Vous pouvez voir dans mon ancienne vidéo complètement comment ça s'était fait. Donc, on va mettre time set stay. Hop, tac. Ils sont tous en train de cramer, c'est joyeux. Donc, les chauves-souris, hein. Ça. Alors, on va continuer de voir toute cette feuille. Les zombies, ils ont maintenant une animation d'attaque, apparemment. Je crois qu'en fait, oui, ils ont une animation d'attaque, c'est parce que quand ils ont une épée, ben, il faut qu'ils se battent. Donc, ils bougent les bras, il me semble. Enfin, mieux. Donc, morts, ils droppent ce qu'ils ont attrapé, hein. Logique. Les golems de fer considèrent maintenant les slimes et les magma cubes comme des mobs hostiles, donc apparemment pas avant. Maintenant, oui. Les mobs et toutes les autres entités peuvent traverser les portails. Les portaux, ouais, je pense, le portail. Ouais. Les poules sont attirées se reproduisant grâce aux graines, on avait vu. Les cochons grâce aux carottes. Et ils sont. Donc, c'est possible de les monter. Grâce à une selle et avec la canne à pêche à carottes, donc ça on l'avait déjà vu dans l'ancienne vidéo, hein, je vous mettrai le lien, voilà, hein, pour les conduire. Okay, on peut même faire des clics droits ou des clics gauche, je sais plus, pour donner du boost, et au bout d'un moment ça va assez vite. Détruis tout, Robert, vas-y, cours. Je crois que oui, en fait, et au bout d'un moment je crois qu'il mange la carotte. Alors, je vais essayer de me mettre en. Tac. Je crois qu'il mange la carotte, hein, carrément. Donc, il faut faire gaffe. Donc, en donnant plein de clics droits. Ou de clics gauche, je sais pas, il faut le tester. Et je vais essayer qu'il la bouffe. Ah oui, donc, vous voyez la jauge en bas, oui. Effectivement. Et au bout d'un moment, il va la manger normalement. Hein. Ou si on s'approche trop, je crois. Oui, d'accord. En fait, à chaque fois qu'on remonte dessus, bah, vous voyez, la barre descend. Donc après, ça revient à une canne à pêche normale en principe. Donc là, je spamme mon bouton, hein, pour essayer de. Oui, ça va assez vite. Hein. C'est vraiment un moyen de transport assez sympa. Donc normalement, si je dis pas de bêtises, si je descends et que je remonte. Et que je lui fais avancer, il devrait bouffer la carotte. Voilà, une dernière fois. Non, pas une dernière fois. Attendez voir. Voilà, bon, vous avez compris le principe, hein. Et alors, j'ai une question maintenant. Oups. Est-ce qu'avec une simple carotte, on peut faire la même chose? Parce que ce serait économique. Ah oui, donc non. Non, on peut pas. Ils ont bien foutu leur truc. Hein. Ah, attendez. Non. J'ai essayé de faire un truc, mais. Eh, attendez, quoi que.
que ça marche. Bon, je sais qu'il faut être en game mode 0. Non, on peut pas. Ça aurait pu être marrant. Aïe. Oh, encore le mauvais temps. Oups. Ah, donc lire aussi, nettoyer l'inventaire, on l'a fait, hein, sans faire exprès. Donc, attendez. Je prends ma feuille, hein. Donc voilà. Si petit détail, hein, j'écris mal parce que j'écris. Enfin. Oups. Voilà. Transition parfaite. J'utilise tout le temps un clavier. J'utilise un clavier suisse et un clavier français, j'alterne tout le temps parce que je joue sur deux ordi en même temps en fait. Et du coup. J'arrive jamais à m'habituer à un seul, donc je suis toujours obligé de regarder mes doigts, et je fais souvent, oula, gros bug, je fais souvent des grosses fautes, ou des petites erreurs, surtout qu'il y en a un qui a le pavé numérique et l'autre non, voilà. Alors j'essaie de trouver une forteresse du Nether, bien que, bon, malgré que ça lag, hein, ça vous le savez. Pour montrer les nouveaux squelettes que je n'avais pas pu vous montrer la dernière fois. Donc apparemment ça lag moins dans les heures. Oula. Donc voilà, hein, à peu près, hein. Bon bah j'ai rien trouvé. Retour à la maison. Tuc. Donc on va voir la suite. Donc les wither squelettes, les nouveaux, donc les squelettes desséchés apparemment, donc ne se trouvent que dans les forteresses du Nether, donnent l'effet wither lorsqu'il frappe le joueur, laisse des os du charmon et quelquefois son épée en pierre ou son crâne. Donc il a de... D'accord, ouais. Donc... L'IA des mobs, donc l'IA à l'intelligence artificielle des mobs, c'est lui doté d'un ego... de prise de risque apparemment. Je me trompe pris. Enfin apparemment, qu'est-ce qui se passe? Je regardais plus mon écran. C'est du coup, je n'avais pas vu. Donc les mobs n'hésiteront pas à prendre des dégâts, voilà, pour peu que ces derniers ne le soient pas fatal pour atteindre le joueur. Donc ajout de la chauve-souris passive. Donc apparaît dans les cavernes sombres. Apparaît en peaceful comme tout mode facile. Et dort la journée, donc normal, hein. Principe, c'est comme ça. S'accroche au plafond et s'envole lorsque le joueur s'approche. Donc ajout de la witch. Donc je vous montrer quand même le bat, la chauve-souris, donc qu'on avait déjà vu. Hein. Là, elle est passive, hein, mais même sur la table, je crois que elle ne fait pas de dégâts. De toute façon, c'est tellement dur à taper. Et de toute façon, ça sert à rien de la tuer vu que je crois que ça loot rien d'intéressant pour l'instant, voire rien du tout en fait. Donc voilà. Et la witch, donc elle est tout le temps hostile. Donc dans une de ses cabanes, j'essaierai de vous trouver une image de cabane, car même moi j'en ai jamais trouvé en fait. Voilà, bon là je suis en game mode, donc elle me fait rien. Donc elle a le nez qui bouge, je crois que par rapport à son nez, vous pouvez voir comment elle est hostile. C'est où sa vie, je sais plus, c'est assez marrant. Donc elle peut boire des potions de vie et de résistance en feu pour se défendre dans le combat. Il peut y avoir divers ingrédients pour les potions et des bâtons. Elle apparaît aux alentours de sa hutte, dans les marais. Les blocs de Silverfish sont maintenant générés en bas des biomes Extreme Hill. Donc c'est les grosses montagnes, mais apparemment il y aura des blocs de ces petits trucs là, assez chiants d'ailleurs, qui bouffent leur blocs et se reproduisent du coup. Donc le Silverfish, qui fait un bruit assez chiant. Donc, tout seul ça va, c'est pas très compliqué à battre, mais quand il y en a des dizaines, c'est horrible. Enfin surtout quand vous êtes dans une caverne à Silverfish. Donc les slimes apparaissent maintenant sur les blocs mal éclairés des marais. Ajout du boss, le Wither, que vous avez vu la dernière fois.
lance des pro donc oui, il lance des projectiles, donc ses têtes explosives. Hein. Et il peut se couvrir d'une aura le protégeant des flèches lorsque sa vue est descendue de moitié. Donc vous avez vu, mais bon, il descend, du coup, on peut le tuer. On avait vu comment l'invoquer. Peut donner une Nether Star quand il est invoqué. Oula, attendez, j'ai perdu. Quand il est invoqué dans le monde normal, le ciel s'assombrit. Donc donne l'effet Wither 2, donc la maladie là, qui nous fait mal. Et le Wither lance des crânes de Wither bleu quand il est inactif. Donc ajoute du nom de boss et tout ça au-dessus. Hein. Voilà. Alors. Donc les Fire. Ah oui, chargé et tiré par le dispenseur ou un blaze, produisent l'effet sonore Fireball. Donc, nouvel effet sonore, hein. On va tester, hein. C'est rapide. Très rapide, même si je me dépêche. Je n'ai même pas besoin de redstone, c'est pas grave. Hop, détestis boule de feu. Hop, hop, hop. Et tac. Donc voilà, enfin, il me semblait pas que c'était nouveau. Il me semblait pas que ça partait aussi loin. Bon, voilà, si jamais. Ensuite. Je dénouais. Donc, bruit de pas sur le sable, gravier. Donc, après, on a tous les sons que je vais vous laisser découvrir, tellement il y en a. Hein. Et on passe à l'avant-dernière feuille. Parce que j'avais fait un peu de préparation. Donc son de level up, son du wither, son de l'Ender Dragon, son de l'enclume. Donc son pour l'enclume, il est assez marrant. D'ailleurs, je vais vous le mettre quand j'aurai remis le jour. Est-ce que je l'ai le jour? Voilà. Donc il est là-bas. Hein. Elles sont là-bas les enclumes. Donc je vous mettrai les trucs de craft, enfin, les images des crafts pour voilà. Poser un truc, hop, ça fait un espèce de bruit. Et vous pouvez donc aussi. Oups. Donc renommer les trucs, hein, toujours, mais je vais voir, il y a un autre bruit, je crois. On va mettre quoi? De la méchante. Sorcière, voilà. Bon, on va mettre juste la méchante sorcière. Ah non, en fait, il y avait moyen. Bon, c'est pas grave. Hop. Et donc, la méchante sorcière. Et ce kling kling kling, c'est bien, c'est sympa. Voilà, donc ça, ce sera pas la sorcière, mais la méchante sorcière. Ensuite, mise à jour système du son, on a vu. Modification du son des dégâts de chute. Bon, je vais sûrement me buter, mais. Bon, je vois pas si. Bon, je sais pas s'il y a une légère différence, mais il doit y avoir. Alors, attendez. Hein. Voilà. Pardon. Je sais pas ce que j'ai vu là. Donc, le beacon bug, j'avais passé trop brièvement dessus, car il y a quelques trucs que je vous ai pas dit. Donc en fait, il n'est pas un truc infini. Hein. Si vous faites le. Je crois que le minerai n'a pas d'importance. Donc autant faire en fer la pyramide. Où sont les ça? Voilà, on va le prendre de l'émeraude. Lol. Donc voilà la Nether Star que loot le Wither. Donc l'émeraude. On va mettre. Oui, attendez, j'ai dit plusieurs émeraudes. Voilà. Donc, l'émeraude, soit on prend ça, soit on prend ça. Donc, on va accepter. Et. Voilà. Donc, on a la vitesse sur une certaine zone. Je crois que ça doit être quoi? 2-3 chunks. Voilà. On est sorti du périmètre. On n'a plus de la vitesse. On va rentrer dedans. Attendre un petit moment, peut-être. Voilà, on l'a de nouveau. Donc ensuite, plus on fait une pyramide grande, plus, je pense c'est logique, hein, plus vous pouvez faire aller loin. Donc là, j'ai amélioré les sauts, c'est marrant.
Ou soit, au lieu d'améliorer ça, vous avez ça, la vitesse, mais deux fois plus de vitesse. Du coup, puisque j'ai pris avant. Enfin, je crois, ou c'est vitesse niveau 2 ou un truc comme ça. Ou alors soit, non, pardon, excusez-moi. Si vous prenez la grande pyramide où vous avez accès à la génération, je crois que les autres sont niveau 2. Moins que j'ai foiré. C'est très possible, hein, que j'ai foiré, comme j'ai dit plus tôt. Donc voilà, vitesse 2. Exa voilà, pouvoir secondaire. Et là, vous pouvez donc faire truc 2. Vitesse 2. Donc on va essayer, hein, vitesse 2 pour voir. Voilà, donc là, on a la vitesse 2. Donc c'est on est limité pratiquement. On va voir jusqu'où on peut aller. Voilà, ça s'arrête là. Donc c'est pas très long, hein. C'est surtout si vous faire des arènes ou des trucs comme ça. Bon, ils peuvent améliorer ça, je pense, ou faire peut-être des checkpoints pour relier des trucs. Enfin, voilà, donc vous avez les autres. Hein. Il y en a un que j'aime bien utiliser, donc c'est le saut amélioré 2. C'est sympa, si vous êtes dans une maison pour... ou je sais pas, pour... excusez-moi, je me suis trompé. Pour faire un passage unique, il faut avoir le saut amélioré. Parce qu'on peut sauter deux blocs. Encore la pluie, ils sont chiants. Hein. Mince, je me suis un peu trompé. Mais non, je me suis trompé. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc là on a la force, on a la tout là, on est overcheat. Puis là, voilà. Là on est en mode warrior. Oh le bruit des pas là. Là on est en warrior, on peut les buter, on est des fous. Ensuite, donc vous mettrez le craft. Hein. La potion, donc les deux nouvelles potions, hein, la potion de visibilité de nuit, de nocturne, pardon. Cette fois, on peut en mettre la nuit. Hop, et j'ai encore oublié le slash. Parce qu'il faut que je fasse shift 7. Je sais qu'il y a moyen de changer. Donc, le soleil se couche. Même pas vrai, non. C'est le jour. Voilà. Et la potion du ninja. En fait, j'ai un peu déconné sur un de mes épisodes avec cette potion. Voilà, invisibilité. La potion du ninja. Voilà, je n'existe plus. Si vous voulez faire une blague à vos potes. Où ils sont mes cochons? Non. Voilà, annihilation de toute la zone. On n'existe plus. Tac, voilà. Ou si vous faites des maps spéciales donjons avec des mobs un peu cheatés à cause des potions, de vitesse ou d'invisibilité. Est-ce qu'ils ont réglé le problème? Enfin, c'était pas un problème, c'était juste avec la différence de la laine du mouton. Non, donc voilà. Ce que j'appelle un peu bug. Donc c'est marrant parce qu'en fait, il y a juste la laine du mouton qui folle. Ensuite, les dévotions, on a vu. Donc, les cadres, je vous mets le craft. Pour faire ce qu'on avait déjà vu la dernière fois, hein. Donc, vous pouvez même créer des tables de craft contre un mur. En faisant clic droit, changer ça, faire une horloge. Une horloge où vous seul êtes le maître du temps. Voilà, vous faites changer l'horloge, elle a rien compris. Donc voilà, putain, mais c'est vraiment le truc que je dis le plus souvent. C'est horrible. Donc, on voit même plus ma main. C'est génial.
Ensuite, ça crie un peu là, je vais m'éloigner. Les cadres, on a dit. Donc, ajoute les murets que je montrerai le craft. Donc, ces petits murets hein, pour faire votre jardin, ainsi que les pots. Donc, voilà. Hein. Donc, la carte maintenant est créée vierge. Enfin, ça, on l'avait déjà vu. Elle reste vide tant qu'elle n'est pas activée. Le centre de la carte est l'endroit où vous l'avez activé. Une carte peut être clonée en mettant une carte vierge à côté de la carte à copier donc dans la table de craft. Hein, je vous mettrai encore tout ça. Vous pouvez dézoomer avec les maps. Le nom des cartes est passé de map X par Y à map X. Les escaliers se forment en coin, donc ça c'est super pour faire des toits de maison. Hein. Donc avec n'importe quel escalier en principe. Faites ça, et ou pour les mêmes, du coup, les pyramides en sandstone, hein, et tac, vous posez l'escalier. Alors, est-ce que ça marche dans l'autre sens? Oui, en principe, voilà, donc. C'est trop bien. Et du coup, j'imagine que ça marche. J'imagine que ça marche à l'envers. Oups, oui, ça marche. Je viens de le faire sans faire exprès en fait. Mais je vais essayer de créer un espèce de tuyau. Ah, si l'eau, vous pouvez passer dedans, ce serait bien. Hein. Mais bon, il faudrait qu'il refasse l'eau en fait, la physique de l'eau exactement, parce que pour qu'on puisse faire des trucs un peu mieux. Enfin, j'entends par là que vous savez, quand on met un pilier, des fois ça fait moche. Parce que l'eau ne passe pas à côté du pilier. Hop. Donc voilà, j'ai fait un espèce de de tube, de tuyau, de tout ce que vous voulez, hein, mais sans que ça le voie vraiment. Hop. Vous pouvez même faire passer vos élevages de cochons là derrière. Non? Ça marche? Ok, non. Pauvre cochon. donc. Ah, ouais, non. Ou un truc à hamster. ensuite, je regarde la suite. Donc l'armure de cuir a un peu changé. La texture, on l'avait vu. Hein, on pouvait faire la colorer. Ensuite, donc les cultures, il y a les patates et les carottes qu'on peut cultiver et faire des carottes en or et des patates cuites. Donc voilà. Alors, je retourne la feuille. Je vais vous faire, je vais vous lire là carrément d'une traite un peu ce qui reste. Donc, les plantations de carottes et de pommes de terre peuvent être trouvées dans les villages et les biomes jungles. Et je crois que donc les deux légumes peuvent être directement plantés en terre. Les zombies et squelettes ont une chance de lâcher des carottes et des pommes de terre. Donc voilà. Hein. Donc les trappes peuvent être placées aussi bien en position haute que basse d'un bloc. Vous avez entendu mon frère en aux toilettes, etc. Les éboulières en cuir, oui, ça on a vu. Les saplings ont maintenant une hitbox réduite. Donc les sapins, enfin les pas les sapins, les plantations, il me semble. Donc ajout d'un bouton en bois sensible aux flèches, donc qui est craftable comme les boutons en pierre. Hein. Excusez-moi. Tac. Voilà, qui est sensible aux flèches. En parlant de la sensibilité des flèches, on va faire un truc. Quoi que non, en fait, je le garde pour la fin. Des plantations des carottes peuvent être trouvées dans les villages, les biomes jungles, ouais, ça on a vu. Donc, nouvelle peinture du Wither. Je vais essayer de vous la montrer, bien que c'est pratiquement impossible à tomber dessus. Hein. Surtout si je dis ça.
On va essayer de la trouver quand même, si on va établir là-dessus. Alors, je crois que c'est une grande. C'est possible de mettre un tableau par-dessus l'autre. Oh, mais la pluie, elle commence à m'énerver. Et à chaque fois, je me trompe, hein, vous avez remarqué. Et attends, je me suis trompé là en plus. Non? Ça marche plus. Ah, ok, oui. En attendant. Alors, je ne me rappelais plus que les tableaux pouvaient s'encastrer les uns sur les autres. Ah. Ah. Il me semble que c'est un grand tableau en plus. Ah non, il est là. Bon, vous l'avez là. D'accord. Bon, sachant que les autres tableaux font référence à plein d'autres jeux, hein. Vous avez peut-être pu les reconnaître, mais peut-être pas les petits. Je crois que ça représentait un truc de Counter-Strike. Il me semble plusieurs trucs de Counter-Strike. Je sais plus trop. Là, ça doit être Dust, un truc comme ça. Je sais plus. Il paraît, hein, j'avais vu un article. Voilà, sur notre bel écran buggé. Ensuite, on peut avoir. On peut gagner les têtes, donc comme je l'avais dit plus tôt, des trucs. Enfin, on peut gagner. On peut gagner que celle des Wither squelettes pour l'instant. Ensuite, aïe. Donc elles peuvent être utilisées comme chapeau, elles peuvent être customisées via la NBT. Donc je sais plus ce que c'est NBT, je crois que c'est pour modifier les objets, les enchantements. Enfin, comme j'avais fait un peu lors de la précédente vidéo avec tout mon item, ce qui était complètement cheat, perma crack, mouté crack, ce que vous voulez. Je joue de la tarte à la citrouille, hein, je vous mettrai le craft. Donc la tarte à la citrouille qui est comme ceci. Hop. Donc pêcher rapporte de l'XP, donc ça c'est sympa. Si sur un serveur vous en faites un métier et que ça peut rapporter de l'XP, c'est sympa. Donc modification des sprites de la Boostify. Ça, je suppose que je m'en rappelle plus. Les temps d'activation passent de 9 à 12 ticks. Donc tick. Le clic gauche n'active plus les interrupteurs, portes et boutons. Donc ça c'est bien, hein. Au moins on aura le réflexe de plus défoncer les portes à chaque fois qu'on voulait les ouvrir. Ce sera que bon, seulement avec que le bah oui, que seulement en même temps. Seulement avec le droit. L'œil de Lander peut être utilisé sur les super flats si les strongholds sont générés. Donc j'aurais pu faire ça sur la map de l'eau tout à l'heure. Donc ajout de Landville enclume qui permet de fusionner, on a vu. Peut-être 9 endommagés ou 13 endommagés. Ah non, quand on la craft, elle peut être déjà endommagée ou très endommagée. Moi, je sais pas. Donc, le craft, je vous l'ai déjà mis tout à l'heure. On peut y renommer n'importe quel objet. Elle peut fusionner les enchantements, des objets avec des enchantements différents donneront un objet avec les enchantements des deux. Des objets avec le même enchantement donneront un enchantement supérieur. Des enchantements peuvent être perdus pour cause d'incompatibilité. Faites attention. Un objet peut être réparé en utilisant le même matériau que celui dont est constitué l'objet. Les houes ne peuvent pas être réparées. Les enclumes sont soumises à la gravité. Donc avec ça, on peut faire des pièges. Hein. Je vais vous faire un cas vite fait. Je vais vous le faire en accéléré d'ailleurs.
Donc voilà, fin de cette petite coupure, enfin cette petite accélérée normalement. Je vais prendre une vision nocturne, une potion de vision nocturne, comme ça on verra mieux. Et on pourra invoquer le zombie quand même. Donc vous avez à peu près compris, je pense, le zombie va être attiré. Et normalement, il va activer la dalle de pression avec l'inverseur. Ça va couper le truc pour finalement que ça lui tombe sur la poire. Alors, on va essayer, hein. Si ça marche pas, c'est pas grave, hein. C'est le principe qui compte. D'accord, oui, fous-toi de ma gueule. Voilà. Donc voilà. Bon, elle s'est cassée parce qu'elle est tombée de trop haut. Mais si vous faites pas trop et que vous l'enfermez juste après. Alors attendez, peut-être petite accélérée encore, je vais tester un autre truc. Donc voilà, j'ai un peu agrémenté le truc, hein, on va voir si ça marche. Ah mince, elle est tombée encore trop haut. Enfin, le but c'est qu'il reste coincé du coup. Et si vous arrivez derrière, bah, vous avez juste à finir le boulot. Ensuite, prendre des dégâts depuis où elle tombe, ça on vient de le voir. Nouveau comportement des repeaters, donc je vous l'avais montré sur une des vidéos, mais pas sur celle précédente. Hop, tac. Donc on va prendre un levier. Hein. Hop, donc en fait on peut faire un espèce de blocage ou de truc inversé, je sais pas, je vais faire un espèce de 8. Vous pouvez voir que ça fait ça. Et quand on va relâcher, attendez, je crois qu'il y avait moyen de faire un truc. Je sais plus. Je crois que ça relâche le système puis ça le refait partir. Je sais. Ou alors peut-être comme ça. Alors, je sais plus. Mais il y a un truc pour les amateurs de Redstone. Vous pouvez voir d'autres vidéos. Voilà, qui explique mieux ce phénomène, mais il y a des nouveaux trucs que vous pouvez faire. Je crois qu'on peut faire des RS Norlatch plus performantes, apparemment. Moi, ça me piège pour l'XP. Lol. Et donc, je crois que c'est bon. Donc, oui, je crois qu'ils ont changé quelques trucs de la fin du jeu donc l'ending. Sur ce, je vous ai à peu près tout montré et on va se laisser là sur ce ciel étoilé bleu ciel lol et donc voilà, à plus. C'était Animat pour Polygaming pour cette vidéo de Mage 1.4.3 partie 2. À plus.